Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo de motivation ménage et je vous montre l'état de ma maison après une journée bien chargée. Quand on est vendredi, d'habitude, je m'avance un petit peu pendant la sieste des petits, parce que c'est le vendredi soir où je fais tout mon grand ménage pour être tranquille pour le week-end. Du moins, je fais tout le bas de ma maison. Je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Donc là, je vous montre à quoi ressemble un vendredi soir chez moi quand tous les petits accueillis sont partis. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie. Et je suis assistante maternelle. Donc, en fonction des journées, des enfants que j'accueille, déjà, je mets des barrières dans ma maison. Des barrières horribles, mais qui me servent trop trop bien. Et évidemment, quand c'est le week-end, eh ben, je m'empresse de cacher ça. I never felt tomorrow closing in this fast. Et comme d'hab, je vous en parle et en reparle, je sais, mais pas un ménage ne se passe chez moi sans qu'Everdrop m'accompagne. Et si je me permets de vous en reparler aujourd'hui, c'est parce que évidemment, je suis séduite, vous le savez, ça fait un bail que je les utilise, mais c'est parce que vraiment, ils sont ultra efficaces et vraiment pas dangereux pour la santé. Moi, c'est le point numéro 1, utiliser des produits efficaces. Mais je vous en parle surtout aujourd'hui parce qu'ils font actuellement une campagne jusqu'au 13 octobre avec 30% de réduction sur certains kits et avec mon code promo que je vous mets juste là et vous pouvez trouver mon lien en barre de description, vous pouvez obtenir 10% supplémentaires, donc ça vaut vraiment le coup. Et l'avantage d'acheter les kits, c'est qu'après vous n'avez plus qu'à acheter les recharges parce que vous avez vos contenants. Donc je viens prendre le produit universel, celui qui nettoie vraiment tout, et je nettoie toutes mes surfaces avec lesquelles les bébés ont été en contact. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end, but still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know what it means to grow. Alors bien sûr, je nettoie dans la semaine régulièrement quand il y a besoin de nettoyer. Mais le vendredi soir, c'est vraiment le nettoyage à fond. Déjà pour moi, avoir vraiment la maison très propre pour le week-end, pour ma famille et tout ça. Et aussi pour que les petits puissent lundi revenir et que tout soit propre et qu'on commence la semaine vraiment dans un endroit clean. Et moi, c'est vraiment ancré comme un rituel. Je sais que le vendredi soir, une fois que tout le monde est parti, je prends trois quarts d'heure, une heure, ça dépend en fait tout ce qu'il y a qui traîne, si je me suis bien avancée dans l'après-midi et tout ça. Mais je prends ce temps pour nettoyer, pour ranger. En fait, ça m'enlève une charge pour le week-end de me dire que tout le bas de ma maison, il est fait. Alors c'est vrai que des fois, j'ai la flemme. Hein. Je me dis, oh là là, c'est vendredi soir, j'ai la semaine dans les pattes et tout ça. C'est vraiment ancré comme une habitude. En plus, mes enfants, maintenant, ils font du sport le vendredi soir, même déjà l'année dernière, remarquez. Mais ils ont changé de sport, mais c'est toujours le vendredi soir. Et en fait, ils font avec mon mari. Donc déjà, j'ai 2 heures devant moi où je suis toute seule dans la maison. Mais moi, c'est un kiff, hein. Vraiment, genre, soit je me mets de la musique, soit je me mets un podcast, et je fais ça tranquillement, toute seule. Perso, ça me détend, et au moins, je sais que c'est fait, que le lendemain, le samedi, je peux profiter, que le dimanche, je peux profiter, surtout qu'on fait souvent des choses en famille, qu'on n'est pas forcément à la maison, ou qu'on est à la maison, mais qu'on a envie de chiller, en fait, et pas d'être dans le ménage. Donc ça m'enlève vraiment un poids de savoir que le bas est fait, et que je peux remettre mon salon en mode salon pour le week-end et tout ça. Donc en gros, ce que je fais, c'est rangement, nettoyage des surfaces, poussière, laver le sol, enfin aspirer, laver, ranger mon tapis, nettoyer mon tapis et tout ça. Et installation du coup de mon tapis, de ma table basse, de mon salon en mode week-end. J'ai envie de l'appeler comme ça à chaque fois. Et par contre, tout le reste du ménage s'est étalé sur ma semaine. Par exemple, ma cuisine, eh ben, je vais le faire un autre jour. Je vais prendre une demi-heure et je vais faire ma cuisine à fond un autre jour. Mes salles de bain, pareil, je vais étaler sur un autre jour. J'ai un planning ménage pour la semaine où je m'étale vraiment toutes les tâches. Et là, c'est juste
poussière, nettoyage, rangement et les toilettes et la salle de bain du bas. Mais je vous invite vraiment, dans la mesure du possible, parce que je sais qu'il y a des gens qui partent de chez eux à 7h du matin, qui reviennent à 7h le soir et que, en fait, caler des sessions ménage, c'est pas forcément possible. Mais moi, perso, c'est la méthode qui m'a sauvée, c'est d'étaler chaque jour des petites tâches. Pour ce qui est des jouets des enfants, je les nettoie en fait au fur et à mesure quand il y a besoin dans la journée. Par exemple, si les enfants ils ont passé toute leur matinée à bavouiller sur un truc, voilà, je vais nettoyer sur le coup. Et sinon, je fais des grosses sessions de nettoyage, désinfection, tout ça, des jouets à chaque vacances scolaires. C'est ce qu'on faisait quand je travaillais à la crèche avant. J'ai gardé le même rythme. Après, évidemment, à part épidémie où on est obligé de les nettoyer, limite tous les jours, hein, quand c'était le Covid, fallait vraiment nettoyer très 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 régulièrement, tous les jours quasiment, c'était les recommandations. Mais par contre, s'il y a une épidémie de gastro chez moi, admettons que j'ai un petit qui a une gastro, déjà moi, la gastro, c'est ma faux. Bi, je vous le dis, mais vraiment gastro, je deviens psychopathe, hein, je porte un masque, non, c'est ma phobie la gastro depuis toujours. Là par contre, je nettoie de fond en comble ma maison, tous les jouets, tout ce que vous voulez. J'ai même carrément, ça j'avais trouvé ça chez, où c'est que j'avais trouvé ça? Chez Lidl un jour, et j'en ai un à la maison. C'est un spray désinfectant pour l'air qui genre tue toutes les maladies, et vous pouvez en mettre sur les surfaces et tout, mais je suis une psychopathe, s'il y a une gastro chez moi, ah c'est mort. C'est mort, vous m'avez perdu. Là, ma maison, carrément, c'est un hôpital. Vous rentrez, ça sent l'hôpital. Mais remarquez, avec cette méthode-là, généralement, eh ben, il n'y a pas d'épidémie. Parce qu'en fait, l'enfant qui a une gastro, j'ai tellement nettoyé derrière lui que ça suit pas. Je touche ma tête. J'ai eu une fois une épidémie de gastro chez moi. Je ne vous dis pas comment ça a fait le tour de toutes les familles, de chaque enfant réuni et de ma famille aussi. Mais en fait, j'ai tellement été traumatisée que maintenant, c'est mort, je vous dis. Un hôpital, du sol au plafond, je désinfecte. Bon, après, on est à l'abri de rien. Hein. Ça peut toujours arriver, mais j'espère vraiment pas. Je voulais vous montrer ça, parce que je l'ai montré sur Insta il y a un moment, mais je voulais pas montrer en vidéo ici et je suis conquise. C'est un diffuseur électrique que j'ai acheté sur Party Light. Et en fait, vous mettez des petits galets à l'intérieur et ça chauffe avec la lumière. Et vous savez, c'est comme les diffuseurs où on met des petites bougies chauffe-plat en dessous. Bah là, c'est électrique. Donc j'ai trop kiffé l'idée. Et je vous montre un petit peu les galets comme ça que j'ai choisi. J'en ai acheté plein. C'était en promo, mais il y avait une promo de folie dessus. Je crois que j'avais eu le tout à genre 100 balles au lieu de 250 balles, un truc comme ça. Donc je m'étais lâchée carrément. Et j'aime trop. En fait, après le galet, il fond. Et je crois que pendant 90 heures, vous avez 90 heures de diffusion d'odeur. Et ça sent juste trop bon. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que je partage des trucs des fois que je partage pas forcément en vidéo sur YouTube. Donc je vous mets le petit nom juste ici. Bon, après avoir fait déjà le rangement, les poussières à droite à gauche, nettoyer les surfaces, j'espère que vous vous motivez avec moi, hein, que du coup ça vous booste un petit peu à faire le ménage chez vous, c'est le but de cette vidéo. Je passe au nettoyage de fenêtres, donc je prends mon produit à vitre qui est absolument pas nécessaire avec ces super microfibres de chez Everdrop, vraiment ça c'est un de mes produits coup de cœur, mais moi je mets du produit à vitre partout, je vous l'ai déjà dit. Je viens nettoyer toutes les traces de bavouille parce que ça forcément les bébés c'est leur kiff de coller leur bouche à tout ce qui est miroir, fenêtre et tout ça. Now I know what it means to grow. Et maintenant que le salon est nettoyé, je passe dans la salle de bain. Et pour nettoyer mon plan de change, là je prends vraiment un produit désinfectant. Donc là c'est un monsieur propre. Donc on m'a demandé il n'y a pas longtemps dans une vidéo qu'est-ce que j'utilisais comme produit désinfectant pour le plan de change. Franchement, j'ai pas de marque définie en fait, j'utilise vraiment un nettoyant désinfectant. Je dirais que mon préféré c'est le Sanitol, c'est celui que je rachète à chaque fois en termes de désinfectant.
Là, le Monsieur Propre, d'ailleurs, c'est ma petite sœur qui me l'avait donné. Je l'aime bien, il sent bon, je trouve, il a une bonne odeur. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still I am here, moving on. Et une fois que j'ai débarrassé tout ce qui est autour du plan de travail, autour du lavabo, je viens nettoyer l'évier avec le produit exprès pour la salle de bain, donc toujours de chez Everdrop. Et celui-là, il est ultra efficace sur le calcaire. Vous allez voir au niveau de mon robinet, à la fin, ça brille. Bien au niveau du robinet, bah comme il brille, comme il n'y a plus de traces d'eau, comme il n'y a plus de calcaire et comme il est tout propre. Je passe un dernier coup d'eau pour nettoyer le lavabo et ensuite je viens remettre tout en place autour. Et là, hyper important, à côté de mon plan de change, j'ai toujours un petit panier avec tout à proximité. Donc les cotons, l'eau micellaire, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai des thermomètres, j'ai des mouchoirs, j'ai du désinfectant pour les mains. Et juste au-dessus du plan de change, j'ai deux étagères. Sur une étagère, je mets les couches par enfant. Et j'ai un petit panier avec tout ce qui est crème de change, sérum physiologique et tout ça. Comme ça, j'ai vraiment tout à proximité pour ne pas avoir à me déplacer quand j'ai besoin de quoi que ce soit en faisant un change. Ensuite, je passe au nettoyage des toilettes, donc je viens mettre le gel à WC, pareil, toujours de chez Everdrop, commencer à connaître. Donc je le laisse agir un petit peu et en attendant, je viens de prendre mon nettoyant désinfectant Monsieur Proc, que je spraye un peu partout, je prends ma lavette et je viens nettoyer à fond les toilettes. Depuis que j'utilise le gel AVC plus les pastilles, je vous assure que je n'ai plus du tout de problème de tartre urinaire. Ça, c'était vraiment mon gros souci au niveau de mes WC. Et vraiment, depuis, ça entretient super bien. Vous avez des probiotiques à l'intérieur qui agissent même une fois le nettoyage terminé. Et je pense que ça a beaucoup aidé pour mon souci de tartre. Une fois la salle de bain et les toilettes propres, on tient le bon bout, les amis, on arrive presque à la fin. On va pouvoir nettoyer le sol. Donc je viens remonter au maximum les choses qui pourraient me gêner pour nettoyer le sol. Et je viens me munir de mon Tineco. Donc je vais remplir le premier bac avec de l'eau très chaude. Bon, de l'eau chaude, tout simplement très chaude, j'ai envie de dire. Elle n'est pas bouillante non plus. Et je viens mettre un tout petit peu de Sanitol à l'intérieur. Alors, c'est pas préconisé. Normalement, il faut vraiment utiliser leur produit. Là, j'en ai pas. Donc je mets vraiment un tout petit fond de Sanitol. D'ailleurs, j'en mets vraiment, vraiment une goutte. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand j'en mets trop, c'est pas assez dilué. Et après, mon sol, il glisse. Et
et je viens ensuite nettoyer. Donc je commence par mon tapis et je vais ouvrir la fenêtre pour que ça sèche plus vite aussi, et puis même pour aérer dans tous les cas. Donc je viens nettoyer mon tapis, comme ça bah, il est bien nettoyé, je vais pouvoir le rouler et je nettoierai le dessous un peu plus tard quand le tapis il sera sec. Et je vais pas vraiment tout vous filmer quand je nettoie le sol, hein, parce que vraiment ça va être beaucoup trop long, même si je passe en accéléré. Mais je nettoie vraiment tout le bas de ma maison. Pour moi, le Tineco, donc pour celles qui connaissent pas, c'est un aspirateur lavant. Ça m'a vraiment changé la vie au niveau, enfin en termes de temps en fait, vu qu'on aspire et qu'on lave en même temps, il n'y a pas besoin de passer deux fois. Et ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Et des fois, je varie parce que en fait, ça dépend de mon mood. Des fois, je passe un petit coup de Dyson de partout dans ma maison et ensuite, je nettoie directement avec une serpillière lambda. Voilà, ça dépend vraiment en fait. Parce que le Tineco, je peux pas non plus aller dans tous les recoins avec. Donc des fois, j'ai vraiment besoin de passer la serpillière comme moi je veux. Comme ça, je peux bien frotter, machin et tout. Mais franchement, le Tineco, il est quand même ultra efficace. Mon tapis est sec, donc je viens le rouler et je vais pouvoir nettoyer en dessous, repasser un petit coup de Tineco juste en dessous, même si c'est pas vraiment sale, mais au moins c'est fait. Et là, c'est le moment trop satisfaisant, les amis. C'est le moment où ça sent bon, où tout est propre et où on a presque fini. On est ultra fiers de nous, bah parce que voilà. On va passer un week-end serein dans une maison propre. On a quelques jours, on va dire, de tranquillité. Et allez, la dernière tâche que je vais effectuer, parce qu'il me reste encore un peu de force, c'est d'aspirer mon escalier. En fait, c'est surtout qu'il y avait plein de cheveux, plein de miettes, et que j'étais en train de me dire, oh là là, dès que les enfants ils vont rentrer, ça va voler, ou bien ils vont mettre leurs pieds, ça va s'accrocher aux chaussettes, ils vont me ruiner tout le travail que je viens d'effectuer en bas. Donc je me suis dit, vas-y, aspire un petit peu les escaliers, ça leur fait pas de mal. J'avoue, c'est une tâche que je donne souvent aux enfants, parce qu'ils aiment bien. Je leur mets le petit embout sur l'aspirateur et je leur demande de m'aspirer. L'escalier, moi, ça me fait gagner du temps et eux, ils sont contents de le faire. Et regardez, je vous montre au niveau du diffuseur Party Light le petit galet qui a fondu. Je trouve franchement déjà que le diffuseur il est trop beau et ensuite je vous laisse imaginer l'odeur là dans la maison entre l'odeur de propre et l'odeur de ce diffuseur. C'est à la vanille pour tout vous dire, ça sentait juste trop bon. Et voilà ma maison en mode cocon pour le week-end, je suis trop contente. Les filles, on se retrouve le lendemain. En fait, hier je voulais faire préparer une petite soirée à mes enfants, une petite soirée genre cinéma. On aime bien faire ça le week-end, souvent le vendredi soir. Parce qu'en plus, vu qu'ils sont au sport, moi j'ai le temps de préparer la petite surprise et tout ça. Mais vu qu'hier j'ai filmé tout le ménage, en fait j'ai pas eu le temps. Limite quand j'ai terminé, c'était l'heure qui rentre, donc j'avais pas le temps de faire à manger et tout ça. Donc je me suis dit laisse tomber, on est parti au resto pour tout vous dire. Voilà, ils sont rentrés, ils ont pris leur douche vite fait et on est parti au restaurant. Et du coup je me suis dit bah, que ce soir c'était la bonne occasion. Là il est assez tôt, il est 18h45. Donc moi je vais installer vraiment le petit... l'ambiance on va dire avec la télé et tout ça, on va mettre un film à la télé qu'on va regarder tous les quatre et mon chéri va s'occuper en attendant du repas. Ça va être très simple, nous on va juste manger salade parce qu'hier vu qu'on a été au resto on a mangé quand même assez lourd. Donc là on s'est dit ce soir on mange léger et pour eux on a prévu frites et hamburgers. Donc ça va pas être une recette de ouf de hamburger parce que moi mes enfants ils aiment le pain, ketchup mayo, le steak et basta. Donc voilà, je vais même pas vous filmer le montage, on va dire, du burger parce qu'il n'y a pas de salade, il n'y a pas de tomate, il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas de sauce particulière, que dalle. Donc c'est parti, on va se mettre dans l'ambiance, je vais leur faire un truc ultra cocon.
Alors chez nous, on adore les soirées cinéma, vraiment. Alors déjà, Nico et moi, on adore regarder tout ce qui est film. Et mes enfants, du coup, bah, ils sont pareils que nous. Et j'adore leur organiser des soirées cinéma. J'aime trop leur faire un petit endroit trop cosy, avec des petites lumières, des gâteaux apéro, des petits bonbons, des pop-corn et tout ça. J'aime trop, c'est mon kiff. Donc je leur en fais régulièrement. Et là, déjà, je vais mettre des petites citrouilles pour faire un petit esprit lumineux d'automne et tout ça. Ensuite, je viens leur mettre une nappe avec leur petite table devant la télé et j'y mets quelques gâteaux apéro. C'est vraiment la petite soirée qui coûte pas grand-chose et qui va faire trop plaisir aux enfants. Déjà parce qu'on est en famille, c'est un moment qu'on passe tous les quatre. Même si nous, on mange sur la grande table et eux sur la petite table, mais je veux dire, après, on regarde le film, le dessin animé avec eux. Mais aussi parce que, en fait, ils aiment trop ce petit moment. Déjà, ils se régalent généralement parce qu'on leur fait toujours des petits trucs qu'ils aiment bien manger. Parce qu'ils mangent aussi devant la télé. Et ça, c'est chez nous, bah, c'est que quand il y a des soirées cinéma. Donc, ça sort un petit peu de l'ordinaire, du quotidien, on va dire. J'ai trouvé ces sachets-là chez Action. C'est sympa, vous les mettez environ 2-3 minutes au micro-ondes et puis ça pop. Et puis après, je vais leur mettre dans des jolies petites boîtes qui rappellent le cinéma. Ensuite, j'ai trouvé toute cette collection de genre un peu fast-food façon kawaii chez Centracor. Je vous montre la marque, c'est celle-ci. Et je vais leur décorer leur petite table avec tout ça. Et je trouve ça vraiment trop, trop mignon. Regardez-moi, les petites barquettes de frites comme ça. Oh, j'ai trop aimé. La petite déco toute simple se met en place. Donc, je viens allumer les lumières pour peaufiner tout ça. There've been awards. Je leur installe leur petite table. Regardez le résultat du burger dans l'assiette burger et des frites dans le petit compartiment à frites. Non, mais je trouve ça trop cute. Donc je leur rajoute un petit peu de ketchup et de mayo à côté. Franchement, le truc trop simple, mais là on a trop envie de retourner en enfance. Franchement, moi j'aurais été trop contente d'avoir ça à leur âge. Donc on a regardé Le Livre de la Jungle en film. Ils l'avaient jamais vu encore, ils avaient vraiment vu juste le dessin animé. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? Nous, on a été plutôt raisonnable, on a mangé une bonne salade avec de la burrata et regardez les salades de mon chéri. Franchement, c'est le best au niveau des salades. Il fait toujours des salades de ouf, il est trop trop fort. Sur ces petites images, je vous laisse. J'espère comme d'hab que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et on se dit à la semaine prochaine pour la future vidéo. Bye!